Et les gens, bienvenue sur frappestage.fr ou sur mon blog itisan3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu My Time at Portia, donc sur PC. C'est un jeu qui m'a été offert par Ion, League Best, tout dépend du pseudo que vous souhaitez lui donner. C'est parti pour un tour. Merci à toi encore une fois Ion, ou Ion, ou League Best, je sais pas. Nous revoilà au début d'une nouvelle journée. C'est une belle journée qui s'achève. Bonjour, hier tu as fait un travail remarquable en décelant les problèmes sur les produits lors de l'inspection. Nous n'attendions pas moins d'une personne de ton niveau. Nous t'en remercions, voici un petit quelque chose en contrepartie. J'en ai trop des trucs comme ça. Je sais pas, il y a une machine à coudre, quoi, j'en ai rien à schtroumpfer. Alors, toc toc. Moi je confie à faire des chaînes comme sur. Par exemple. Je veux dire quand tout me break. Super, à côté de la plaque le mec. Graveyard Keeper. Bah. Voilà, là on ramasse les productions. Ok, tac. J'ai l'impression qu'il donne pas grand chose dans tout cela. Qu'est-ce que c'est désagréable d'essayer d'appuyer sur les bons? Peut-être en vendre quelques-uns quand même. Est-ce que ça me sert à quelque chose de les garder dans un enclos si petit? J'aurai un grand pré comme l'autre, là, quoi que non, c'est trop grand. Parce que comme ça, je suis sûr de passer à côté de certaines choses, donc va savoir. Mais non, pas ça. Un truc plus petit. Mais ouais, du coup, ce que je te propose, Marinoux, c'est de sortir le cheval en même temps que sort ta famille. Tu sais, tu leur dis, bon bah écoutez, c'est l'heure de la promenade. Après, tu leur mets une laisse autour du cou. Ou les œillères, comme tu veux, et hop, sur tout le monde en même temps. Comme ça, tu gagnes un temps fou. Et c'est pratique. Tu te débrouilles pour que les plus costauds puissent chevaucher les moins costauds. Et ça fait une sortie en famille à cheval. Alors pas tous sur un cheval, forcément, hein, mais voilà. Tout est bon, tout est bien qui finit bien. Alors, on va stocker tout ça. Voilà, on va refaire, si possible, un maximum de fer-bois. Planche en fer-bois, je peux en faire 7. Et ben, on en fait 7, voilà. On se dépêche d'aller par là-bas avant que ce soit terminé. Il brille, les arbres. Ça veut dire qu'on peut récupérer du salpêtre? Ah, je n'aime pas l'observer. Bon, déjà, il est sale ici. Là, il y a un souci aussi. Il manque un dernier machin. Non, c'était pas bon. Pas bah, joli, joli. Hein. La hache. Toc. Toc. Alors, venez voir où est-ce qu'il y a un truc qui va pas là. Et voilà, encore une mission accomplie pour Super E.T. 3852 sur 2517. Pas si mal, pas si mal, pas mieux faire. Oh oui. C'est terrible, les coups de pompe. Ça va être le jeu aussi, hein, je pense qu'il joue comme ça. On se relâche un peu, donc la fatigue redébarque et... Voilà, c'est fini. Je
Je sais même plus ce que je voulais faire. Ah si, il y avait ça là qu'il fallait que j'avance. Et parfait, on les a tous ces trucs. Et voilà. Éolienne, check. On passe par là, on va par là. On va aller poser toutes les éoliennes, on en a 3, normalement ça devrait être bon. Veuillez patienter. J'ai envie d'une boisson autre que de l'eau, on fait comment? Attendez messieurs, je m'avachis de plus en plus dans ma chaise encore une fois. Hop là, ensuite, par là-bas. Je crois que je sais ce que j'ai oublié aussi. Je voulais aller rapidement au... Je crois pas qu'il y ait besoin de les mettre en inventaire. À la baraque de base. Histoire de pouvoir... tenter de mettre le portail en marbre. Ça change un petit peu au niveau de la vue qu'on ait véritablement une station d'évolution quand même. Ce serait cool. Ouais. Ah c'est bon, on se calme le abo. Oh, c'est terrible, n'empêche, comme le nouveau Pokémon me rend curieux. Je me dis que c'est vraiment pas une bonne idée de le prendre. C'est beaucoup plus grand que quand c'était dans ma main, hein. Heureusement que le jeu est pas réaliste et que je peux porter tout et n'importe quoi, parce que sinon... on serait dans une situation un peu embêtante. Comment c'est classe, comment le décor il évolue. Tu vois, ça change tout, et du coup, plus t'avances dans le jeu, plus tu vois des éléments que t'as construits, tu te dis, waouh, ça là, c'est moi. Ça, très cool, vraiment très cool. Allez, installer un machin, éolienne, toc. Ah, cinématique. We've got power. Gale will be happy to hear. Yep, we're right on schedule. Ta-na-na-na. Topaz en désert. Quand t'es dans le désert, depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Mais du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes qui se sont lancées là? Parce que bah, je suis à court de quêtes, ça y est. Enfin, je crois qu'il m'en reste une ou deux. On va aller voir ça vite fait. Il me reste le ragoût de poisson, mais je sais pas le faire. Alors, ça complète un peu la change. Ouais, mais trop cool, Marinox, faut que t'essayes. Devrait pas marcher. Ouais, mais c'est bon. C'est pas grave. On a qu'à dire qu'elle marche quand même. Enfin, elle marche pas. Je les vois pas se déplacer. Elle marche pas, mais elle fonctionne. Et puis, tu vas savoir, c'est peut-être un vent très bizarre qu'ils ont dans ce monde-là. C'est peut-être pas le même vent que chez nous. Tu vois. Et quand j'entends vent, ça me fait penser à Worms. Déjà, le fait de pouvoir faire des chutes comme ça, il y a une falaise... Dans la réalité, c'est pas très conseillé, hein. Si tu veux pas que tes genoux remontent jusqu'à tes oreilles, c'est pas très bon, très conseillé. Une réception qui peut être... Non, mais regardez-moi cette vue. Artistiquement, le jeu quand même a quelque chose. Plus j'y joue, plus je le trouve joli, en fait. Peut-être parce que du coup, j'ai l'impression de participer au monde plus que de prévu. Un vent rotatif, c'est ça. C'est un vent, en fait, qui vient taper le machin et qui fait le tour comme ça. Dedans, tu vois. En fait, il fait des vagues, il fait des trucs comme ça, tout le temps le vent. Tu vois, il avance, il fait hop hop hop, looping. Il avance, il fait hop hop hop, looping. Il avance et hop hop hop, looping. Tu vois, c'est pour ça que ça fonctionne. Sur le test avant ma vie. Mais c'est pas déjà prévu, Marinox? Je pensais que t'avais prévu ça il y a bien longtemps, moi. Ah, je suis déçu.
Marinook, faut prévoir plus tôt ce genre de choses. Bon, après, tout dépend à quel point t'as besoin de te débarrasser de mamie rapidement. Ouah, c'est moche de dire ça comme ça. En tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. Quitte à faire disparaître mamie, autant le faire dans les règles. Hein? On pousse pas mémé dans les orties, tout ça, vous connaissez le principe maintenant. Alors. Putain, j'ai eu peur. Est-ce que je peux créer mon portail magique en marbre maintenant? Ah, j'ai oublié d'elles. Mais j'avais les dalles de marbre avant. Elles sont passées où? Mais non, il va falloir que je revienne le lendemain. Oh, comment je suis deg! Comment ça va? Hello. Hello. Mamie a la mémoire qui flanche, je me demande ce que je peux faire pour l'aider. Eh bah, tu peux. Hein, on a la solution avec Marinooks. Tu peux jouer à Dada. Tiens, je t'offre ça. T'es comme je suis gentil avec moi. Avec toi, avec moi. Tu vois comment c'est dégueulasse comme réflexion? Eh, t'as vu ce que je fais comme toi, quand même pour toi? Regarde. T'as vu? T'as vu ce que je fais pour toi là? T'as pas l'impression de. Non? Ça te choque pas toi? Bah, elles sont où les dalles de marbre? Sérieux, j'avais des mâles de marbre, les dalles de marbre, je les ai posées quelque part pour pas les récupérer? Comment est-ce possible? Tout ceci ne serait pas un petit peu suspect par hasard? Ah bah elles sont là, mes dalles de marbre, c'est pour ça. Voilà. Non mais récupère-les par contre, bonhomme. Là, je parie que je vais revenir et il sera déjà fermé. Parce que ça ferme pas à 20h, comme de par hasard. Tout ceci est une conspiration, sachez-le. Mamie jacasse. La mamie jacasse souvent, oui. Oh, il fait un discours, on est dimanche. J'ai pas reçu de courrier comme quoi il allait faire un discours. Il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine, tout se passe bien ici. Un discours formidable! Merci, monsieur! Oh, blablabla, merveilleux! Le meilleur discours politicien qu'on ait jamais vu. J'ai un client qui me dit « Salut, le jeune !» C'est-à-dire que lui, il est bébé. C'est un super jeune. Je pensais qu'il allait se passer un truc, mais en fait, non. Ça y est, tout le monde va rentrer chez lui. Et du coup, vous savez quoi? Je parais que là, c'est fermé. Voilà, de toute façon, j'étais sûr que c'était 18h. C'est pour ça. Ah, vas-y. Ah, mais je lui passe au travers, c'est pas juste. Coucou Alice, comment ça va? Arrive à mon âge, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelle idée aussi. Quelle idée d'être si vieux et avancé dans l'âge. Espèce de vieux machin. Ouah, ça va. Ça va, ça va. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas être sympa, je vais faire une pause et je vais revenir. Donc je vais faire comme ceci.
Déjà, on va mettre la en pause d'enregistrement, vite fait. Et paf! Désolé, hop, on reprend. Oula. Cet homme fuit. Nous devons savoir où est-ce qu'il va. Je pense qu'il a commis un crime en ville. Nous allons enquêter. Discrètement. Ceci est une filature. Pourquoi il s'arrête? On ne pousse pas, comment ça on ne pousse pas? Bon, je laisse tomber. Et bonne journée du coup à Alice, qui à mon avis est partie depuis un petit moment, donc voilà. Tac tac tac, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux trucs qui sont apparus sur le téléphone? Non, c'est bon. À première vue, c'est bon. Donc ça, les trucs de marbre, c'est ok. Il est 22 h, est-ce que j'ai des choses à faire en plus, quoi? C'est toujours pareil, la même question. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de nouveaux éléments qui soient nécessaires de construire. Prochainement, on va bientôt passer au lundi, ce qui veut dire qu'on va commencer à avoir de nouvelles commandes reçues à accomplir. On a 153 de charbon. Barre de bronze, barre de cuivre. Allez hop. Allez hop, veuillez patienter. Du coup, ça a terminé si je viens récolter. Mais du coup, c'est vide maintenant ou ça va repousser? Ah, tous les 7 jours, une fois que ça a poussé au max, je peux récupérer du salpêtre. Mais c'est plutôt classe, hein. Est-ce que j'ai d'autres arbres qui peuvent être intéressants? Graines de laitue, graines de papaye bambou. À pousser, produit des papayes bambou. Comment j'ai eu la graine de salpêtre? Je sais pas. Je crois que d'ici un ou deux jours, on est dans la zone calendrier. Le lendemain. Donc on est encore sur dimanche là. Ouais. Ça veut dire que dès qu'on va passer la journée, on aura fini et on va passer la journée suivante. Je sais que ça paraît absolument incroyable comme ça, hein, mais c'est vrai. Donc on sera sur le mois suivant et je vais gagner les récompenses. Ça plutôt cool. En général, quand ça se passe comme ça. Ça me plaît bien comme information. Je valide. C'est bon, il n'y a pas de trucs qui traînent. Alors eux, je sais pas pourquoi ils sont pas allés dormir. Peut-être que je devrais les revendre. Crois qu'ils dorment en fait, mais il n'y a plus assez de place dans le poulailler. Donc du coup, ils sont obligés de mourir à l'extérieur. C'est triste pour eux. Mais bon, c'est la nature, comme on dit. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. J'ai le nez qui me gratte. Faudrait que je refasse des trucs de soudure, les baguettes de soudure, parce que j'en ai plus après. Bah, le dodo, je vois qu'il est minuit 48. On va aller se coucher. Veuillez patienter, c'est l'heure de faire la sieste. Toutes les routes mènent à... Je sais pas ce que j'ai débloqué comme... Mon carte ne marche pas, d'afficher la carte ici. J'ai une nez qui me gratte. C'est terrible, c'est affreux. Waouh! Un avion? Qui c'est ça? T'es qui toi? Bonjour, hier, tu as fait un travail remarquable en décelant des problèmes sur les produits lors de l'inspection. N'attendons pas moins d'une personne de ton niveau, on t'en remercie, Harmonica. Nan, nan.
D'Antoine, bonjour, la mairie nous a envoyé plusieurs commandes de bus longue distance pour la nouvelle route de Portia vers Dunrock. Nous les avons affichées sur le tableau de la guilde du commerce, n'hésite pas à les venir les consulter. J'ai eu le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre comptoir commercial du bloc Austral. Ce comptoir commercial servira à échanger des objets et matériaux quotidiennement avec Dunrock et les autres cités libres. Il se situe dans le motel de Yeye, dans le bloc Austral. Les instructions sont disponibles sur le tableau d'affichage. Lisez-les avant de commencer, surtout toi, Higgins. Mon commerce. J'étais le premier, et voilà que ça accomplit. D'avoir obtenu la première place dans le classement des ateliers du mois dernier, et ton atelier est un véritable modèle, nous inspire tous. Ah, que c'était un beau message. Ça m'a plus coffre de chance, y'a quoi dedans? Un je sais pas quoi. Quelque chose. C'est quoi? Une table carrée. Ok, pourquoi pas. Alors, on va m'occuper des animaux, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Parce que je n'ai plus aucune quête là, je crois, vraiment. Comptoir commercial. Pierre, je peux essayer de visiter les deux. Mendingal. Toujours aussi triste, il n'y a pas de musique dans ce menu. Regardez le petit Higgins qui attend que ça s'ouvre. Hein? Hein? Il y a ce matin qui se tabasse. D'ailleurs, faisons-le. Ma foi, avec le compteur commercial du... Il ne m'aura plus beaucoup maintenant. Je vais gagner plein de goals et tourner. Et quand on de... La banque est ridicule. Pour plaisir. Ah mais je suis niveau 37. Maintenant je le massacre. Comment je le raquette le pauvre? J'ai des bleus maintenant, ouais c'était le but. Ah ah! Allez, juste avant lui. On va aller voir par ici, bonjour! Toc. Il nous faut un bus longue distance pour la nouvelle force. Hein. C'est trop essentiel de... Ok. Je demande à Petra. Elle me dit, il faut... J'en ai combien des... J'en ai 22, c'est bon, c'est large. Salut Cyril, comment as-tu... Quoi de beau? Petra! Petra, j'ai besoin de toi, C'est là qu'elle me dit, il nous faut 270 trucs en plus. Pour que vous puissiez accomplir cette mission. Elle me dit, il faut l'usine. Ah, l'usine, elle va me coûter je sais pas combien. Well, you're not the first to come ask about this. We're already working on it. Still, I need 5 more data disks to figure out how to extend the range of the bus. Can you find these for me? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit bien? Quelqu'un est déjà venu nous poser des questions à ce sujet, nous travaillons déjà dessus. Il nous faut quand même 5-10 données supplémentaires pour découvrir comment élargir le bus. Peux-tu m'en trouver? Merci. Wow, I'm so tired. J'en peux plus, je lis trop de livres en ce moment, mais ils sont tellement intéressants. Peut-être qu'une fois que j'aurai trouvé la source intégrale, j'écrirai aussi un livre dessus. Super, j'espère que nous aurons besoin bientôt quelque chose pour toi. Ça me rappelle Vega 5, à vrai dire. Ils effectuaient des recherches dans, sur plein de véhicules. Bah ok. Enfin, j'attends. Veuillez patienter. Attends le diagramme. Ouais, mais du coup, pendant ce temps-là, je fais quoi, moi? Hein? Parce que là, on est à fond, mais on n'a plus rien à faire. Ah si, je sais. Salut Remington, ça va? Salut Higgins, ça va? J'aurais peut-être dû commencer par les trucs moins grands. Voir un petit peu ce qu'il a pris. Je pense qu'il a pris quelque chose de plus petit. Ouais, c'est ça.
10 jours, 99, et ça c'est 102. Ah, je pouvais la prendre. Étoffe étanche, 3. Ok, on va aller chercher ça. Plouche. Je vais en faire la moitié. Pratique, je peux en créer pile 3. Ah, mais ça va prendre. Oh, ça va 2 heures, c'est pas la fin du monde. Attends le diagramme. Donc, comment on aura fait une action? On a combien? On est à 69 000. Faut qu'on fasse mieux que ça. Continuons notre mission. Tentons d'améliorer la baraque. Mettons-nous un vrai décor de folie autour. Bonjour, ANG Construction. Est-ce que je prends le dernier schtroumpf ou pas? C'est long. Ah mais non, mais c'est vrai à chaque fois. Bon, attendez, vous savez quoi? A chaque fois, je me fais avoir par l'histoire des plaques de marbre. Pam 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 pam. Tum 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 tum. Faudrait que j'ai 100 000 de gold pour agrandir le terrain. C'est la baraque, j'ai l'impression qu'elle est toute petite. Cherchez quoi le marbre. Le marbre, on l'avait trouvé quelque part par là, je sais plus où. Non, c'est pas ça que je souhaitais faire, pardon. C'est là que je voulais le déplacer. C'est bien gentil d'en avoir, mais ça sert pas à grand chose. Dans l'immédiat. Allez hop, on y retourne. Attends, je vais voir si elles font moins la gueule, si j'aime genre dit bonjour. Ça peut pas avoir fait grand chose. Oh. Wow. Bientôt l'heure d'aller se coucher. Je vais pas faire une énième fois la même erreur. Toujours pas la bonne, enfin le bon c'est un canard, ou la bonne, ça aurait pu être une canne. Toc toc. Et voilà on y est. Bon courage Lunday. Que ta journée soit agréable. Merci d'être passé encore une fois, à la prochaine, ciao bisous. Le coup de barre. Merci Blue Monday. Bonne journée à toi aussi encore une fois. Voilà. 10 trucs de marbre 10. Portion de clôture de marbre 3. 25, 10, 2, 25. Thank you.
Moi, pardon, tricher? Non, que le chien. Même ça reste du boulot quand même. Voilà, c'est fait. C'est un peu joli la clôture en bois quand même, hein, mais au moins s'améliorer les tables, il faut quoi déjà? 18 barres de fer et 18 briques. Sauf que ça prend une place folle, je pense. Quoi que si, je pourrais mettre une dalle en plein milieu. Prend tellement plus de place. Pardon. Bonne nuit Marinux. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci de passer à la prochaine, ciao bisous. À ce soir peut-être. Bah comme je dis normalement, enfin comme je le dis. Comme je dis tout à l'heure, ou bien avant que tu n'arrives, du coup t'as rien entendu forcément. Normalement il y a du live ce soir avec Kald sur Fallout 76. C'est qu'on avait ça à livrer aussi. Alors, merci, tu m'as bien aidé, mais de rien, madame. Elle a du pognon, du pognon, du pognon. Dommage de devoir attendre une journée de plus pour récupérer les diagrammes, je suis triste. Du coup, aujourd'hui, il va pas se passer grand-chose, quoi. Quand elle s'est mise à demi nu. C'est la version française, ça, qui était fait par le 6-9, je crois. Une vieille époque. Ah, mais ça va, je conserve mon avance sur l'année, en fait. Classement des ateliers. J'espère que j'ai beaucoup gagné sur le dernier mois, par contre. Et vous savez quoi? Ceci est le dernier schtroumpf. Il avait survécu jusqu'à présent. Et le dernier schtroumpf va désormais disparaître. Adieu, dernier schtroumpf. Bon, on fait quoi? Bonjour May. Porsche sure is developing fast. When I first got here, it was a sleepy little town. It still is, but our living standards have improved quite a bit. C'est tout? Hello. News doesn't take a summer. Got a visitor from Walnut Grove visiting me the other day. He said he made the trip to Porsche just to see me. Holy corn on the cob! I'm becoming a celebrity. Quelqu'un, Lucien des Noix, m'a rendu visite l'autre jour et m'a dit qu'il avait voyagé jusqu'à Portia. Rien que pour me voir par tous les petits maïs, je deviens célèbre. Bah c'est bien. Hello. I'm learning more and more about the world from Petra. I cannot believe how much has changed. I also haven't had any interfacing time since I've been here. It's very different. I don't have any direction. Petra me fait découvrir le monde petit à petit. J'ai du mal à croire que les choses aient pu changer à ce point. Je n'ai pas encore eu d'interface depuis que je suis ici. Très différent, j'ai perdu mes repères. Bye.
I'm expecting many new visitors in my restaurant once South Block gets up and running. Everyone's excited about it. Est-ce qu'éventuellement je peux aller au comptoir commercial et récupérer une autre recette pour avoir le double affaire? Là oui. Ah bah ça c'est effectivement vachement développé au fur et à mesure. À la base il y avait juste la cabane ici. Dire que c'est moi qui ai construit ça là. Ça aussi. Ah c'est classe. J'aime bien tout ça. On avait posé les arbres aussi là-bas pour que ça arrête les vagues. Donc on va aller voir par ici ce qui se passait. Il paraît qu'il y aura un comptoir commercial ici aussi. C'est pour acheter des ressources. Aide. Bloc Austral géré par la guilde du commerce de Portia. Chaque semaine, un transporteur commercial effectuera le voyage du bloc d'Austral à Dunrock. Nous encouragerons tous les constructeurs à compléter les commandes de Dunrock et au-delà. Nous déposons un chariot dans les ateliers avant de le récupérer une fois les commandes complétées. Les objets affichés dans notre comptoir commercial dépendent de tous de la demande de Dunrock et d'ailleurs. Le comptoir commercial mettra à jour les demandes de chaque objet quotidiennement. Une fois la commande acceptée, merci de faire le maximum pour la compléter. En cas de commande non complétée à temps, nous réduirons le nombre maximal de commandes disponibles pour la prochaine fois. Nous avons une réputation à préserver. En cas de modification de la commande, après l'avoir acceptée, nous serons contraints de payer au prix le plus faible. Je comprends pas tout. C'est-à-dire qu'ils veulent 5 vaches. Ça me dit combien je joue dans mon inventaire et autres. J'ai 4 poules et j'ai 4 canards. J'ai pas de fleurs à corser, je sais pas comment les planter. Pardon. Désolé, petit rototo. Coucou Tartine! J'espère que ça va bien quand même. Même si je m'entends pas. Faut que j'apprenne à parler le langage des signes, comme ça je fais des langages des signes avec Tartine. On en est où nous? C'est bad, j'ai pas assez de poules. Bah chez mouton, pareil, il va falloir un petit morceau. Hein. Coucou Alien, comment ça va? Et salut Oiseau qui brûle, comment ça va aussi? Bon bah ça aura pas servi à grand chose hein, tout ça. On va aller faire du papercraft. Même si je vous cache pas que j'ai un coup de barre monumental petit à petit. De la taille d'un monument, oui c'est cela que ça veut dire. Je suis sûr que là à cet instant précis, je pose ma tête sur l'oreiller et je m'endors.
C'est un petit coup de barre du matin, quoi. Voilà. Oh. En plein déj, bon appétit alors. Que la force du petit déj soit avec toi. Rien à faire par ici. Je voudrais vous relancer tout le monde la même chose, alors que je pourrais plus sélectionner l'autre truc. Pas très très bien ça. Bon allez, si on se réveille, on y va. So good. Merci Alien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir pour ton soutien. J'hésite à aller me coucher tout de suite en fait. Pas dans le jeu, pas là dans la réalité, je veux dire dans le jeu. Parce que j'attends. Ça craft, qui craft. Ça a travaillé. Ah mais c'est un coup de barre comme d'habitude, c'est passager. Ça travaille aussi. Mince, j'ai pas avec tout le coton que j'avais. Ça fait combien de temps? 89. Ce qui est déjà pas mal, je crois qu'il en faut 200. En même temps, c'est un peu problématique là ce qui se passe. Parce qu'il ne me reste qu'une seule graine et je n'ai récupéré aucune de graines. Oui, ma pioche. Ma pioche, ça, là. I'm coming, tell the world I'm coming, Je suis capoute. Je crois que je comprends plus rien à ce que je fais aussi. Coucou, Tirac. Ah mais les soporifiques quand il n'y a pas effectivement beaucoup de choses à faire. Bon rassurez-vous, c'est fini ces quelques minutes. On va aller faire du papercraft, ça me réveillera peut-être un petit peu parce que là je m'endors, je pique du nez, c'est terrible. C'est-à-dire que j'ai l'impression de dormir sur le live quoi, c'est... Pas grand chose, c'est terrible d'être assommé à ce point là parce qu'à un certain moment de la nuit. Ah là. En même temps quand j'ai réfléchi, même quand j'avais dormi un peu plus, là 8-9 heures la dernière fois, donc là dans la nuit du lundi au mardi, vers 6h, 7h du matin, j'ai eu un gros coup de pompe aussi, comme ça. Donc je pense que c'est à peu près la même heure toutes les nuits, en fait. Enfin, plus ou moins. Bon, bah où? On a 15 et tout qui travaille tout seul, donc au pire, autant s'éloigner, non? Bienvenue à toi. Oui, toi qui viens de t'abonner. Merci, Martichaud. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la véhicule. Installe-toi confortablement, l'espion te sentira bien. Et si merci de nous avoir rejoint, en tout cas, ça fait plaisir. Voler des cordes, donc voilà.
Voilà, pas long de coucher, on va terminer cette vidéo. Demande, t'as des choses intéressantes à découvrir. Je vais voir la boîte aux lettres, même si c'est pas le moment. Allez hop, on va couper la rediffusion ici. Donc malgré le fait que je m'endors beaucoup, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Ou pas, apparemment pas du tout, puisqu'on passe sur du Papercraft maintenant, je pense. Tout simplement. Là, tout de suite, je reviens. On va faire ça. Ba-dum-bum, 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 ba-dum